Voilà, cher Gémeaux, votre guidance. Alors, on va commencer par le domaine professionnel. Et nous avons, donc en énergie générale, nous avons la carte des racines et la carte du papyrus. Alors là, directement, ce dont ça nous parle, c'est d'une entreprise familiale. Alors, soit c'est votre entreprise familiale, soit c'est vous travaillez en famille, soit vous travaillez dans une entreprise familiale. Mais l'association de ces deux cartes, c'est ce dont ça nous parle. Ensuite, nous avons ici le 10 de bâton, le 7 de denier et le soleil. Alors, ça, c'est bien. Alors, pour ceux pour qui ça parle, cette entreprise familiale, ou peut-être c'est votre entreprise, hein, peut-être que vous êtes voilà, peut-être que vous êtes le patron de cette entreprise. Mais ce dont ça nous parle, c'est peut-être soit une charge importante de travail, quelque chose qui est un petit peu, ouais, peut-être qui est un peu lourd à porter, ou peut-être une difficulté à déléguer, ou peut-être vous sentez dans cette entreprise cette entreprise familiale dans laquelle vous travaillez, que peut-être il y a des problèmes en termes d'organisation, c'est possible aussi, ou peut-être que vous vivez justement une charge de travail qui est importante, qui vous pèse, ou peut-être que vous prenez trop de responsabilités. C'est possible. Avec le 7 de denier, ce dont ça nous parle, c'est que peut-être qu'il est temps, ou peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit là en ce moment, de faire un état des lieux, voilà, de faire une évaluation, un peu une estimation pour vérifier en fait votre avancée, pour vous évaluer peut-être dans l'entreprise ou évaluer l'entreprise en elle-même. Peut-être qu'il y a eu une idée de mettre une nouvelle stratégie en place aussi. En tout cas, c'est de se dire, OK, voilà où on en est et voilà où j'en suis dans cette entreprise. Et donc, je fais un état des lieux pour savoir quel est le prochain pas à faire. Quelle est la suite des événements à partir de maintenant? Et moi, j'ai plutôt l'impression que il y a une idée là de prise de conscience, peut-être d'un mode de fonctionnement, peut-être parce que justement vous prenez trop de responsabilités, ou peut-être qu'il va falloir apprendre ou à déléguer ou à sous-traiter, et qu'en fait vous allez faire cet état des lieux là avec la carte du soleil. Il y a pour moi des choses là qui vont être mises en lumière. Mais aussi, vous allez trouver des solutions, soit pour mettre une nouvelle stratégie en place, si c'est une entreprise qui a des difficultés. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va se produire, comme un nouvel élan, une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle manière de fonctionner. Voilà pour le domaine, professionnel. Pour le domaine, sentimental, alors nous avons, oui, c'est ça, le domaine sentimental. Nous avons ici la carte Alpha. Bon, là, on n'en a qu'une. Nous avons Opinaise, d'accord. Nous avons la roue de fortune, donc une arcane majeure, une deuxième arcane majeure qui est le chariot, ben, disons ça bouge, et le 10 d'épée. Alors moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est peut-être la fin de prise de tête, la fin de complications. Alors, soit ça peut être dans une relation où vous décidez en fait de basculer, de partir sur quelque chose de totalement nouveau parce que l'énergie principale là, enfin l'énergie centrale, c'est la carte alpha, et sur le plan affectif, ça nous parle de nouveaux débuts. Alors soit c'est le départ d'une nouvelle relation amoureuse, c'est-à-dire que vous y allez, hein, que vous tentez, soit c'est une nouvelle rencontre que vous avez. Mais peut-être que c'est encore un petit peu flou. Il y a une idée ici de premier contact, il y a une idée de préliminaire. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une idée peut-être soit de décider de sortir d'une situation avec ce 10 d'épée qui vous prend la tête, là, vous en vous pouvez plus, vous êtes arrivé à saturation et vous avez envie de prendre un nouveau départ. Et donc vous faites ce qu'il faut. Voilà, peut-être que certains d'entre vous vont quitter une situation pour s'offrir un nouveau départ. Soit c'est l'idée de s'engager dans une relation sentimentale. Peut-être avec quelqu'un de plus jeune que vous, c'est possible.
Et donc peut-être sortir aussi d'une forme d'isolement, ou alors ça vous fout une trouille bleue, cet engagement, c'est possible avec ce 10 d'épée, vous vous prenez la tête, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais pas le bon choix, est-ce que c'est une relation qui existe déjà et on passe à l'étape suivante. Mais en fait ici il y a une idée d'avancer, de prendre des décisions, voilà, il y a vraiment une idée de se positionner, il y a vraiment une énergie qui bouge et pour partir dans une nouvelle direction, c'est-à-dire pour pas stagner peut-être dans un état qui est compliqué. Et du mouvement. Ensuite, alors au niveau matériel et au niveau de votre système de valeurs, ou au niveau matériel, on va voir ce qui sort. Donc ici, on a la carte 28 de la protection. C'est bien. On a le 6 de coupe. OK. On a le cavalier de bâton et on a l'ermite comme arcane majeur. OK. Alors, moi, j'ai l'impression ici que alors la carte de la protection c'est génial hein, ça veut dire que tranquille hein, sur le plan matériel il y a quand même une idée de ne pas avoir d'inquiétude à se faire, qu'il y a sûrement une situation financière qui est stable pour vous. En tout cas, vous gérez bien l'argent. Peut-être que vous avez fait des placements ou des investissements. En tout cas, s'il y a de nouvelles opérations financières, voilà, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une période favorable, en tout cas que les investissements que vous allez faire, en fait, seront protégés. En tout cas, votre aspect matériel est protégé. Alors, avec le 6 de coupe, le cavalier de bâton, le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de nostalgie, un petit peu de regarder en arrière. Il y a peut-être aussi une idée de se réconcilier justement avec ou un certain nombre de valeurs ou avec précisément cet aspect matériel qui vous voilà, finalement vous vous sentez soulagé, voyez? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ici, comment vous dire? Vous savez, l'impression que j'ai, c'est qu'à un moment donné, même si vous êtes dans une situation financière qui est équilibrée, ici on a quand même quelqu'un qui est impétueux. Alors, soit c'est le souvenir de vous dire, voyez, oui, mais avant j'étais en capacité de faire ceci ou de faire cela, et maintenant j'ai peur et je n'ose plus. Là, on vous dit déjà que c'est protégé si vous avez quelque chose en tête. Attention de prendre le temps d'y réfléchir. D'être à l'écoute en fait de votre enfant intérieur, d'être à l'écoute de votre intuition aussi. Peut-être que c'est la nostalgie d'un niveau de vie que vous aviez avant ou voilà d'un passé. Là, on vous demande quand même de réfléchir, de prendre le temps de vous reconnecter à vous. C'est ce que nous dit aussi l'ermite. Avant d'avancer avec ce cavalier de bâton, parce que lui, il est impétueux, il est impatient, il est téméraire. Et donc, soit vous êtes dans cette énergie précisément de témérité où on y va, voilà, on est en mode rouleau compresseur, soit au contraire, on vous demande de précisément de faire preuve d'un peu plus de témérité. Alors, est-ce qu'il y a des peurs qui sont liées au passé par rapport à des engagements que vous pouvez avoir? Et comme on est aussi sur un système de valeurs, ça peut nous parler également des croyances, cet aspect-là. Peut-être qu'il y a quelque chose là où on vous demande de réfléchir à vos fondements pour voir dans quelle mesure vous êtes trop téméraire ou pas assez. Dans quelle mesure vous vous engagez ou vous êtes, voyez, spontané, vous prenez des décisions rapides, sans tenir compte des paramètres extérieurs. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, qu'on est plutôt peut-être dans un système de croyances, en se demandant d'où vient
cet aspect-là, et peu importe l'énergie, hein, vous voyez, que ce soit l'énergie de témérité ou l'absence de témérité, peut-être d'où vient un certain nombre de peurs, c'est possible. Alors comme cette pleine lune, elle remue hein, en fait pas mal de choses et qu'on racle le fond, hein. On va chercher vraiment en profondeur. Alors au niveau de votre évolution personnelle et évolution spirituelle, nous avons ici la carte de la fusion, magnifique. Nous avons la carte du pendu, vous les voyez, oui, la carte du pendu, de la papesse et du jugement. Ok, voilà, on est en plein dans l'énergie de l'année. Alors, je crois que les Gémeaux, vous faites partie des signes qui ont été un peu, épargnés pendant cette nouvelle lune. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Enfin, quoique, bon, ça décolle la pulpe du fond, mais ça fait du bien aussi. Hein. Voilà, comme ça, au moins, on avance. Alors, je vais commencer par cette carte du pendu qui vous demande peut-être de changer d'angle de vue. De voir les choses d'une manière différente, et c'est peut-être ce qui va se produire parce que, et j'aurais peut-être dû commencer par là, par la carte de la fusion. Il y a peut-être des gens qui sont vraiment ici dans une espèce de connexion, qui sont nourris par leur intuition, par quelque chose de plus grand qu'eux. Et avec un besoin aussi de transmission, de faire profiter aux autres de son expérience. C'est-à-dire que si vous avez modifié votre angle de vue, que vous avez une perception un peu différente, ici il y a une idée de la partager, parce que ça pourra aider d'autres personnes. Donc là, il y a peut-être au niveau émotionnel des choses qui sont un petit peu bousculées, ou peut-être vous sentez une connexion plus intense, soit avec vous-même. Mais il y a une idée ici que la connexion, elle est tellement importante que soit il y a des prises de conscience vraiment très fortes qui font que justement, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, mais en fait non, c'est juste qu'en fait vous êtes en train de transformer votre perception peut-être de la réalité ou des événements ou des situations. Donc ça, c'est vraiment possible. Peut-être que vous êtes rentré dans une période aussi de lâcher prise, de couper avec le passé. Alors on l'a vu hein, sur les étapes précédentes, sur les différents tirages précédents là, qu'il y a peut-être une idée de couper avec le passé, de couper avec un mode de fonctionnement, peut-être de supprimer vos peurs dans le domaine sentimental pour vous lancer dans une relation ou pour arrêter quelque chose. Voyez, donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui est plus fort que vous, mais qui est là pour vous faire avancer et qui vous fait agir. Il y a peut-être une idée aussi, il y avait l'entreprise familiale tout à l'heure, de réparer tout ce qui est lié à la généalogie. Il y a une idée ici de relier, parce que voilà, c'est ce qu'il est. Il est relié. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi de cet ordre-là qui est en train de se jouer. Avec la papesse, il y a une idée en fait de perception entre ce que l'on voit de soi et de ce que l'on veut révéler aux autres et de ce que l'on veut montrer. Et avec une idée de s'ouvrir à une vision qui soit plus large, plus grande, plus globale. Il y a une idée aussi de maturation silencieuse, mais aussi d'accouchement de soi. Et c'est très intéressant parce que juste après, on a la carte du jugement. Et la carte du jugement, ce dont elle nous parle, c'est précisément de ça, de renaissance. D'entendre ce que la vie a à nous dire, mais avec la carte de la fusion, on est exactement là-dedans, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à entendre ce que la vie a à vous dire, cette capacité à mettre du symbolisme dans l'ordinaire, de voir les liens de cause à effet, d'observer toutes les synchronicités, avec une idée de renaître à une nouvelle conscience.
Et dans l'énergie opposée, parce qu'on peut être là, c'est précisément de pas d'être, de rester sourd en fait aux appels de la vie. Peut-être de s'enterrer dans un certain nombre de certitudes, et là, dans ce cas-là, ben, on reste bloqué dans une situation. Peut-être de rester dans un héritage biologique aussi de son système d'éducation, d'un certain type de tradition, de tradition, et du coup, en fait, il y a une non-évolution, avec une idée peut-être de rester dans un statut de victime et de refuser de grandir, ou d'être dans une forme de jugement aussi, parce que la carte du jugement, elle nous parle de ça. Mais dans sa version lumineuse, cette carte, vous renaissez à une nouvelle conscience. Ici, on accouche de soi, on change de point de vue, et je pense qu'en fait, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une connexion qui est super forte. Voilà. Donc, ben, vous me direz ce qu'il en est pour vous.